La Bible, il permettra à Dieu de te bénir. Ce n'est pas une question de somme 35, c'est du fétichisme. Alléluia. On dit Amen. Amen. On voudrait que chacun d'entre nous ait une vie. Si y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Si y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Oui, souvent les gens viennent, ils n'aiment pas qu'on prêche, ils n'aiment pas ce côté. Ils aimeraient entendre plus d'autres choses que la parole de Dieu. C'est ça la vie. La vie. Alléluia. Amen. C'est toute une vie, ça. Amen. Les données vont changer, je vais changer les choses. Amen. Amen. Je veux présenter les gens. L'évangéliste Philippe, c'est l'occasion de vous présenter. Il a sa fiancée qui est là. Toute la prochaine te connaître. Mais bien sûr, viens. Elle est venue de la France. Et le mariage, c'est vous. Le jeudi 23. Hein? Le jeudi 23. Octobre. Amen. Amen. Voilà. Le mariage, c'est pour le jeudi 23. Moi, je serai le mariage. Je suis d'abord le témoin même. Le témoin, tout ça. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Je serai à Dijon pour le mariage. J'ai même dit, moi, je prends l'alliance en compte. Tu t'as dit ça, moi? Je prends ça en compte et tout ça. Oh, yes. Voilà, vas-y, que je consacre l'alliance. Amen. Pas de l'amusement. Elle est venue de la France, il y a sa grande soeur qui est là. Tu te tiens debout. Ici, c'est un centre international. Comme on a habitué, tu bénisses. On a habitué à ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous avons prié pour eux. C'est pas facile, si on a quelque part. De rentrer dans la grâce de Dieu. Nous allons ensemble prier pour eux, pour que Dieu tende sa main jusqu'au mariage. Amen. Lève la main et prie pour eux. Au nom de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, merci à C'est le don d'une fille, une sœur, José. C'est José qui a fait ça. Il ne faut pas dire, il est dit. Le jour où il a parlé de ça, elle m'a fait ça lundi, elle l'a acheté à 500 000 francs. Elle m'a demandé, j'ai dit, je veux un Yamaya 650. Moi, si à 650, c'est bon. PS, 650.
J'aime la chanter parce que c'est comme un nom de jardin, tout dedans. C'est comme un studio d'enrichissement. C'est un studio. J'aime la chanter, elle m'a appelé, elle dit tiens la chose. Amen. Amen. En temps, vous voyez que le dimanche passé, là, tout était sec ici. Madame Croix s'est levé matin, elle dit bon, moi je vais acheter pour moi. Amen. C'est un peu fait tout ça. Madame Croix, c'est quelqu'un de vous. Je coupe la tenue pour vous. La batterie, même Mouquette, tout ça. Mouquette, ouais, c'est cher. Hein? Là, c'est cher, c'est dans les 185, c'est 185 000, c'est ça? 185 000, nous avons un mixeur là-bas et tout ça. C'est comme ça, on sert Dieu. Amen. David dit, je ne peux pas offrir à l'Éternel ce qui m'a pas coûté cher. C'est ça. Quand tu sers Dieu, ton argent, Dieu te bénit. Mais les chefs qui déclenchent les miracles, là-bas, vient des prières. Le jour où Salomon, il a fait 1000 holocaustes, un don, Dieu s'est révélé à lui. Et quand vous regardez, c'est la seule personne dans la vie à qui Dieu a demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? C'est les 1000 holocaustes. C'est le don des 1000 holocaustes. C'est à cause de l'offrande de Salomon que Dieu s'est révélé à Salomon. Demande-moi tout ce que tu veux. Et puis il a dit, non, mais la salaire, intelligence. J'ai dit, quoi? Qui a dérespecté? Je te donne l'argent. Amen. Dis amen. Amen. Tu as demandé sagesse et intelligence, moi. Je te vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Tu m'as tellement touché que ce qui t'a pas demandé, te donner. Quoi, sagesse et intelligence? Qui a dérespecté ça? Tu t'es sage, qui n'a pas l'argent? Moi, c'est fou de toi. J'ai l'argent. Amen. Tu as touché le cœur de Dieu. J'ai dit, tu as tellement touché mon cœur. J'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais il y a prophétisé, c'est tout. Amen. 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 Je vais servir Dieu pour ton argent. Si tu sais que ton argent, là, tu le sers avec ça, écoutez-là. Ah, les sorciers gâtent mon argent. Ils n'ont pas gâté que ça ne sert pas Dieu ça. Amen. Amen. Quand vous lisez Malachie 3, le verset 10, ça dit quoi? Il dit apportez à la maison du trésor. Vous dites quoi? Mettez Dieu. Ah ah! C'est-à-dire vous l'éprouvez. Vous n'éprouvez pas Dieu. Moi j'ai peur. Vous cachez bien. Sorcier va manger ça. Ah oui? Sorcier va bouffer ça. Ça soit s'écarter. Parce que Dieu ne voit pas en lui que c'est quelque chose. C'est-à-dire que ça ne sert pas à Dieu. Dieu ne voit pas son intérêt dedans. Donc il permet à Satan de gâter. Le jour où tu vas commencer à servir Dieu avec ton argent, Dieu va commencer à te protéger. Amen. Mais Dieu ne s'amuse pas les offrandes. C'est ce que vous savez pas. Il ne s'amuse pas. Dieu même pour sauver l'homme n'a pas donné. Il a donné. Il connaît la valeur de donner. Là. Vous, c'est quand ça va aller. Ah, c'est quand ça va aller. Ok, il faut démarrer. Je ne vais pas arriver au bout. Amen. Amen. Il faut commencer. Avec le peu que tu as, elles ont décidé de servir Dieu. Toute fois que je suis en train de prêcher dans le micro, c'est le même service. C'est comme ça. Quand je suis en train de prêcher dedans, c'est comme si j'étais en train de prêcher. Voilà. Toute fois que c'est ça, le jour cette femme, elle a cassé pour faire les grandes valeurs. Judas, escroc là, sorcier, il a dit non, il dit non, laisse faire. Mais on parle d'elle toujours dans la Bible. Quand on ouvre la Bible, on parle d'elle, son histoire est restée. Il faut marquer Dieu. Amen. Il faut servir Dieu avec son argent. Monsieur l'a pas lui, il a fini, il est béni. C'est lui qui me fait oublier. Si c'est lui qui me fait oublier les petits problèmes. Ma voiture là, ça se gâte dans celui. C'est lui qui m'a offert ça, la lambeau là. Moteur là, c'est lui qui a payé. Quand il y a un problème, c'est lui. Soutien. Il a envoyé des chaises. Split là. C'est lui qui a donné l'argent. Les petits débats, on est des pêches, c'est celui qui a donné l'argent. Comment Dieu n'est pas les bénis? Même. Là, parce qu'ils ont beaucoup. Mais je trouve qu'il faut donner à Dieu. Amen. Amen. On dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il faut donner à Dieu. Mais Dieu a les preuves. Vous savez, je vous ai dit, miracle d'argent, ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas jeûne. Ce n'est pas prière, c'est donner. Donc, il faut prier, il va avoir l'argent. Hein?
faut donner. C'est tout. C'est comme ça. C'est la prière d'avoir pas ça. Le jour où tu es bloqué financièrement, là, va faire l'offrande. Tu vas voir. Va se décanter. Ben, c'est l'argent qui appelle l'argent. Vous ne connaissez pas les mystères. Il y a trop de choses dans le domaine. Moi, quand il veut donner, il ne réfléchit pas. Et les gens trouvent que non, mais c'est ça. Et quand Dieu aussi veut donner, il ne va pas réfléchir. Mais tu calcules, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Puis c'est mourou, mourou, là. Tu prends le jour. Amen. Il faut dire que ce couple a été sauvé par Dieu. Quand je l'ai pas compris la grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Elle était malade. Quand j'ai rencontré ce couple, malade. La sorcellerie. Bloquée. Bloquée. Son mari m'a cherché tout ça. Elle a tout. Vous pas. On est devenu amis sur le feu. J'étais à Zaroko. Il part. Le Seigneur m'a mis à peu de bonté. Et quand je suis arrivé, je les ai aidés véritablement. Le Seigneur l'a miraculeusement guéri. Elle était malade. Problème de rein. Tout guéri. Aujourd'hui, elle a grossi. Amen. Béni le nom du Seigneur. Amen. C'est cela que quelqu'un veut s'investir. Je suis content. Elle a compris que ce que Dieu a fait pour elle, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ma vie, ça n'a pas de prix. Quand elle dit ma vie, il n'y a pas son nom. Ah, elle est partie. Alléluia. Amen. Elle avait aussi un fils qui était sorti, que Jésus a délivré. Je le voyais tout à l'heure en train de prier. Je lui dis merci. J'ai dit à des fois, mon père, tout ce petit, il a eu le roi en appel, je vois la diriger ici. Amen. Envoyez vos faux gars qui, bizarre, envoyez les signes. C'est chez les garages. Mais c'est vrai. Église dans ses garages. C'est Église qui arrange les gens. Non, il est mauvais, il faut l'envoyer, on le transforme. Il sera bon, utile. C'est un petit sorcier, il a bloqué toute sa famille. Il voulait tuer les parents, tout ça. Je l'ai récupéré. J'ai fait un travail dans sa vie, dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je me vois en train de prier. Je sens que j'ai fait de lui un évangéliste. Amen. De toute façon, il a servi Satan. Il a servi Dieu. Amen. Il ne faut pas passer toute une vie en train de servir le diable. Amen. Amen. Nous allons prier pour eux. Je vais prendre lui du son de la corde. Amen. Sceller des choses là. Amen. Il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. Non, il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. Votre maison ne doit plus connaître ce qu'on appelle maladie. Amen. Amen. C'est-à-dire vos ennemis là, doivent tomber. Amen. Venez, on va prier pour vous. Avant de commencer à consacrer les instruments à l'éternel, nous allons prier pour ce couple. Alléluia. Amen. Faut pas faire jalousie. C'est comme ça. Le lui, tu as fait pour toi, on se souvient de toi. C'est comme ça. Dieu ne bénit pas n'importe où. Le jour tu vas toucher Dieu, Dieu va te bénir. Dieu te regarde. Tu calcules, tu calcules, tu calcules. Ok. Le jour tu vas toucher Dieu, ouvre-moi la bouteille. Hey, non, c'est pas cette bouteille. J'avais trois bouteilles. Moi, les trois bouteilles. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Dieu va vous donner toujours la victoire. Donc, toujours la victoire dans vos combats, dans le foyer, partout dans la famille. On ne parlera que de vous. Et quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu part, lui t'envoie les choses de son cœur. Il est évidemment touché. Ce que le David n'a jamais fait, là, c'est ce que Salomon a fait. Il allait à Gabaon, il suivait son papa. Il dit, le jour, lui devenait roi, il était plus que mon papa. Il a fait 1000 holocaustes. Puis je vais te dire, hé, tu veux quoi? Il est là, il dit, non, je veux ça, il est intelligent. Hein? Dieu, il va te donner ce qu'il n'a pas demandé. Amen. Je vais te donner l'argent. Amen. Personne ne sera riche comme toi. Et après toi, il n'y aura pas quelqu'un plus grand que toi. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a pu faire à Dieu? Quand vous regardez là, c'est lui qui a plus péché dans la vie. C'est qui son papa? Quelqu'un qui a marié, lui a 1000 femmes. Il a 300 femmes propres et 700 copines. Et les copines, il a 700. Franchement, à finir ça. Amen. Mais il est mort riche. L'alliance qu'il a positionnée avec Dieu, il est mort riche.
Et quand vous regardez l'histoire, il y a des choses qu'on peut dire. L'histoire, c'est l'argent de Salomon qui est la Banque mondiale aujourd'hui. Mais ce sont les preuves pour monter la Banque mondiale. Ouais. C'est l'argent de l'or qui était dans le temple. C'est ça qu'ils ont les preuves pour mettre là-bas. Ouais. L'action de Salomon, il a marqué Dieu. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que Dieu s'intéresse à toi? Vous voulez que Dieu s'intéresse pas aux gens? C'est pas ton camarade? Il s'intéresse pas aux gens? Non. Dieu ce n'est pas comme ça, vous dites non, il m'intéresse à toi, ça va être fait pitié. Faut le marquer. Il dit, c'est nous qui avons besoin de lui. Il n'a pas besoin de lui. C'est ça, vous ne comprenez pas. Donc il faut attirer son regard sur toi. Il faut faire des choses pour dire Dieu, vous voyez ça, que Dieu s'intéresse à toi. Dieu, la chose, chose, avec laquelle il ne joue pas de son œuvre. Il ne joue pas de ça, son travail. Amen. C'est toi qui manifeste ça. Quand je trouve l'occasion de mettre dans l'œuvre de Dieu, je mets. Quand il me dit, je dorme. Amen. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Parce que ce ministère, au travers de ce ministère, il y a des gens qui ont retrouvé le sourire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont retrouvé la vie aujourd'hui. La même chose, Dieu va vous donner ça dans le foyer et dans la famille. Vos ennemis seront terrassés. Vous avez toujours raison. Ça dit vous donner raison. Là où il n'y a pas raison, là, la raison va venir. Amen. C'est comme ça. Non, il n'a pas raison. Puis Dieu te donne raison. Ah non, c'est vrai, il a raison. Hein. Bon, il donne raison quand même. On va réussir sur la promesse. En qualité de prophète de l'Éternel que je suis, je vais sceller toutes les grâces de Dieu sur ta vie. Et la richesse ne se voit jamais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la maladie ne touche plus jamais à ton âme. Que Dieu te donne la victoire sur tes yeux. Dans le nom de Jésus. Je te consacre à la grâce. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se lèveront contre toi rencontrent la main de Dieu. Au nom de Jésus. Je te déclare consacré à Dieu. Au nom de Jésus. Qui est désormais la propriété privée de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Par rapport au front que tu viens de faire à l'Éternel. Que la main de Dieu de ses loin point de toi. Au nom de Jésus. Thank you.